Alors Philippe, vous serez évidemment sur le livre sur la place ce week-end et notamment samedi, vous serez sous le chapiteau et dimanche, c'est là que je voulais en venir, vous serez au Muséum Aquarium de Nancy à partir de 14h30 avec Arnaud Paul. C'est un photographe nancéen qui a en fait immortalisé, on va le voir en image dans quelques instants, les collections du Muséum Aquarium de Nancy au moment de leur déménagement vers de nouvelles réserves. Pourquoi avoir accepté de participer à cette aventure, tout simplement? Écoutez, il y a beaucoup de photographes qui me contactent pour me soumettre des projets et me demander si j'accepterais d'écrire des textes sur leurs photos, ce que je fais assez souvent. Et quand Arnaud Paul m'a contacté il y a un an et m'a envoyé justement ces photographies qu'on voit à l'écran, j'ai été frappé par à la fois leur étrangeté, leur poésie, leur décalage par rapport au réel. Le thème du corps, je le disais, m'intéresse, le corps animal aussi, et le corps figé, le corps naturalisé, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Donc immédiatement, j'ai eu envie d'écrire effectivement d'après ces photos. Donc j'ai fait un texte assez long. Et Arnaud Paul avait un excellent éditeur, Light Movie, qui fait des très très beaux livres de photographie. Et ça donne un objet qui s'appelle Inventaire. C'est essentiellement des photos d'Arnaud Paul avec un petit texte que j'ai fait. Et ça me permet justement de... J'ai toujours, voilà, on voit le livre. J'ai toujours adoré faire des beaux livres. Et par rapport au reportage que vous avez passé sur le métier de relieur, c'est vrai que c'est des métiers d'une haute noblesse. Et il est assez difficile de relier des Kindle ou des liseuses, vous voyez. Ouais. Donc c'est un métier qui a toujours de l'avenir, parce que le livre papier, moi je suis un fou de technologie, je n'écris que sur ordinateur, mais l'objet livre, la beauté d'un livre, sa singularité, son identité, c'est quelque chose d'irremplaçable. Donc, tiens, on pourra se faire dédicacer ce livre, oui, donc oui, livre sur la place, et puis plaisir. On pourra ramener tous les livres qu'on a de vous. Hein, voilà, puis il y a plein d'auteurs surtout. Voilà. Je veux dire, c'est une manifestation qui est exceptionnelle, qui est la plus grande manifestation de France, hein, qui en est, vous l'avez dit, à sa 37e édition. Alors bien sûr des signatures, mais énormément de débats, de rencontres, et ça promet d'être passionnant. Trois jours festifs en perspective.